Salut, salut mes chers amateurs de trucs et astuces, c'est Dairon et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre chasse aux trophées sur Deus Ex Mankind Divided. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera sans doute relativement courte, puisqu'elle elle va concerner déjà deux trophées au lieu d'un seul. Et ce sont des trophées qui sont très faciles à obtenir. Normalement vous devriez les obtenir très facilement durant votre partie sans même chercher à les obtenir. C'est quasiment impossible de ne pas les avoir si vraiment vous vous lancez dans le jeu. Alors il va s'agir de deux trophées en rapport avec les augmentations. Alors je vous conseille très fortement de garder une save de suite à votre première rencontre avec Colère, ça dépend comment vous le prononcez, parce que c'est le moment où vous allez avoir pas mal de points à distribuer dans vos différentes capacités, donc vous allez vraiment pouvoir jouer sur plusieurs tableaux et recharger votre partie si vous n'êtes pas satisfait, et ou recharger votre partie pour pouvoir vous attaquer à un autre trophée sans qu'il y ait de conséquences, sans que ça vous demande un investissement, un gros investissement en termes de points de compétences et de temps de jeu, puisqu'il va falloir que vous amassiez pas mal d'XP pour pouvoir vraiment tout débloquer. Bref. Alors, pour ce premier trophée qui s'appelle Mieux qu'humain, on nous demande d'améliorer une branche de notre arbre d'augmentation au maximum. Alors, c'est assez vague, hein. Moi, par exemple, au début, je me suis dit, bon, ben, ça doit vouloir dire sans doute qu'il va falloir monter les augmentations du torse au maximum, ou alors celle de la peau. Alors, je me suis dit, à ce moment-là, le plus simple, ce sera qu'augmenter les jambes, puisque ça va être le plus court, il n'y a qu'une seule augmentation liée aux jambes. Eh bien non, en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il va falloir augmenter l'une de nos compétences au maximum, pour qu'elle devienne donc, qu'elle apparaisse en vert dans notre menu. Alors vous doutez bien que l'avatar furtif et l'infolink qu'on nous offre gratuitement dès le début ne comptent pas. Alors il faudrait vérifier, hein. Moi j'ai débloqué personnellement le trophée en débloquant la réception Icarus. Vous voyez que normalement il n'y a que un niveau vraiment d'amélioration. C'est aussi le cas du booster des réflexes par exemple. Vous voyez qu'il y a 0 sur 1, donc on se dit oh là là, ça va sans doute être le plus facile. Enfin, j'ai juste à investir 2 points de praxis pour avoir une compétence déjà au maximum. Oui et non. C'est vrai que ce serait plus intéressant de faire ça que de par exemple se dire ah bah je vais monter la capture par piratage jusqu'au niveau max, comme ça je vais débloquer le trophée, parce que là vous allez avoir besoin de 6 points pour augmenter toutes vos branches. Alors soit vous allez investir 2 points dans une compétence qui vous intéresse et effectivement vous allez l'avoir au niveau max, mais le plus simple c'est encore de passer par la prothèse rétinienne, parce que vous avez déjà un point qui est investi dedans, hein. Et tout ce que vous avez à faire c'est de rajouter le suppresseur de flash et normalement vous avez votre trophée qui va tomber, parce que vous aurez voilà une augmentation au maximum et c'est pas celle d'origine. En tout cas, si jamais ça ne fonctionne pas, parce que moi je ne peux plus vérifier, hein, sachant que j'ai déjà obtenu le trophée très tôt dans le jeu, je peux pas voir si ça remplit la condition qui est requise. Si vraiment ça ne fonctionne pas, et bien alors je vous invite à choisir une augmentation telle que la réception Icarus, puisque ça je peux vous garantir que ça marche, le booster de réflexe, ou alors encore le respirateur implanté. Donc voilà, ça c'est pour le trophée Mieux qu'humain. Après il y a encore le trophée et accepter ce qu'on est devenu, et là on nous demande d'installer au moins une augmentation expérimentale. Sur ma partie sérieuse, là vous voyez les augmentations que j'ai choisies, vous voyez que je n'ai encore jamais investi dans une augmentation expérimentale. Pourtant j'ai le trophée, parce que comme je vous l'ai conseillé tout à l'heure, j'ai gardé une save assez au début de la partie donc, et j'avais choisi d'augmenter une de ces fameuses nouvelles capacités juste pour avoir le trophée, parce qu'il y a un petit élément dans le jeu qui fait qu'au début, si jamais vous voulez déjà en prendre dès le départ, vous allez avoir un petit problème au niveau de la stabilité. Vous voyez qu'en bas vous avez une petite indication en bas de l'écran à gauche qui dit état système stable 100%, donc voilà, parce qu'on tourne sur nos anciennes augmentations. Mais si on commence à investir dedans, d'ailleurs je vais vous montrer tout
de suite, puisque vous allez être obligé de toute façon de le faire pour obtenir le trophée. Vous allez par exemple choisir le Prime ou n'importe quelle autre de ces augmentations qui clignotent un petit peu dans votre menu. On va la prendre. Hop! Normalement, à partir du moment où vous avez fait ça, vous avez votre trophée. Et là, vous voyez que mon état système devient instable. Et il y a une petite quête dans le jeu assez tôt, hein, qui vous propose de passer au-dessus de ça. Mais une fois que vous avez rempli votre objectif, vous allez devoir attendre un certain temps dans le jeu avant qu'il y ait une suite à cette quête. Moi, par exemple, là, je dois être à la mission principale 5 ou 6, je sais plus. Mais ça reste encore assez tôt dans le jeu apparemment, parce que moi je prends quand même le temps de bien fouiller. Je vous prépare une vidéo sur tous les collectibles du jeu, donc je prends vraiment le temps de fouiller partout. Enfin, pour moi au début ça ne sert à rien d'investir dans ces augmentations là. Donc voilà, vous pouvez faire comme moi, n'en acheter que le temps d'avoir le trophée et puis après vous allez devoir recharger votre partie, ou alors vous décidez de garder, vous avez super envie de tenter l'expérience avec votre Prime, auquel cas il va falloir appuyer sur triangle pour changer le statut de désactivation et vous allez devoir choisir une autre des augmentations, des toutes nouvelles augmentations qui vous sont proposées pour la désactiver définitivement. Et donc à ce moment-là, votre état système revient à une stabilité à 100%. Voilà, donc c'est à vous de voir, c'est comme vous voulez. Soit vous faites ça uniquement, enfin la petite manip, uniquement le temps d'avoir le trophée, après vous rechargez votre partie, vous tournez sur les anciennes augmentations jusqu'à ce que vous ayez progressé un petit peu dans le scénario. Ou alors vous allez effectivement faire des choix, vous allez choisir de débloquer le Prime, puis même peut-être investir d'autres points encore dedans. Hop là. Et de vous passer d'une autre de vos augmentations, toute nouvelle, toute belle. C'est à vous de voir. Voilà, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de notre chasse aux trophées sur ce jeu. C'était Dairon, prenez soin de vous. Tchuss! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette publication vous a plu, vous pouvez me le faire savoir avec un pouce vers le haut. Vos suggestions ainsi que vos demandes de partie en coopération sont toujours les bienvenues. Pour ne rien rater de ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si c'est déjà fait, partagez la vidéo avec le maximum de vos amis. Pour me faire plaisir, rien de plus simple, laissez-moi un commentaire sur ce que vous avez préféré dans ce contenu. Et n'hésitez pas à m'en proposer aussi de nouveaux. Je suis toujours ravi de pouvoir échanger avec vous, que ce soit ici ou via les réseaux sociaux. Pour l'heure, il est temps de nous séparer, alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye !